chers auditeurs et auditrices de la radio Wadata pour l'essentiel de l'actualité qui a été traitée par les journaux cette semaine. Débutons par le journal La Nation du mardi 5 avril qui nous apprend dans un commentaire que le président Bazoum Mohamed vient de souffler la première bougie de l'anniversaire de son accession au pouvoir. Dans la continuité des actions de son prédécesseur, le président Issoufou Mahamadou, le chef de l'État, a lancé de nombreux chantiers qui s'apparentent à de véritables travaux d'Hercule, tant il apparaît déjà qu'un, deux, trois ou quatre quinquennats ne suffiraient pas pour capitaliser sur les résultats attendus. Pour sa part, le journal Niger Inter du 5 avril décrit dans ses colonnes « En substance, on peut dire que les premiers pas de Bazoum aux commandes du Niger sont frappants. À l'épreuve des faits, il donne l'impression qu'il a son style à lui. Il fait rêver les Nigériens. Il entend gouverner le Niger autrement et en 100 jours, il avait donné tort à ses détracteurs avec une approche dialogique de l'exercice du pouvoir. » Un autre son de cloche nous est fourni par le journal Le Canard en furie qui titre à sa une du lundi 4 avril « Un an à la tête de l'État ». Pas de bilan pour Bazoum Mohamed. Selon ce journal, lors de son investiture le 2 avril 2021, il a solennellement dit aux Nigériens ce qu'il comptait faire, notamment dans le domaine de l'éducation, de la lutte contre le terrorisme et la guerre contre la corruption, des registres dans lesquels il ne brille pas en dehors de vains discours répétés à l'envi. Pendant un an, il a continué à renouveler ses promesses à prendre des engagements oubliant qu'il était déjà depuis 12 mois dans ses fonctions et que ses compatriotes attendent plutôt de le voir à l'œuvre. De son côté, le journal L'Enquêteur titre à sa une du lundi 4 avril, l'an 1 de la Renaissance Acte 3. Les paris perdus de Bazoum Mohamed, ce journal décrit Le Figaro, Le Monde, France 24. Le successeur d'Issoufou Mahamadou est dans la continuité médiatique de son mentor. Il ne rate aucune occasion pour accorder une interview à la presse française. L'enquêteur de poursuivre l'enchaînement de mots creux que Bazoum Mohamed a tenté de faire passer pour le résultat de ses 12 mois de pouvoir atteste qu'il est à des années-lumière des attentes de son peuple. Dans le monde de l'entreprise, ce genre de pratique s'appelle un faux bilan et c'est un délit. Ensuite, l'enquêteur du mardi 5 avril décrit dans sa rubrique L'échiquier, voilà le vrai bilan de la Renaissance Acte 3. Tuerie de masse, désastre diplomatique, pauvreté généralisée, désarroi collectif, etc. Parlons maintenant de la corruption relativement à laquelle le journal Niger Inter, dans sa publication du 5 avril, nous informe que de scandale en scandale, il faudrait admettre que la dilapidation des biens publics et la corruption sont devenus un fléau endémique dans notre pays, où quelques-uns peuvent détourner allègrement des millions et même des milliards et passer entre les mailles du filet. Sur le même sujet de la corruption, le Canard en furie du lundi 4 avril nous informe qu'au cours de son discours d'investiture, le président Bazoum a juré la main sur le cœur de mener un combat sans merci à la corruption. Mais depuis un an, nous sommes, comme le disait le chanteur burkinabé Black Soman, encore sous le même soleil. Aucune des scandaleuses affaires dénoncées du temps d'Issoufou Mahamadou n'a connu un traitement digne de ce nom. Sur un tout autre plan, l'enquêteur du lundi 4 avril écrit dans ses colonnes « Tentative présumée de coup d'État ». Ibou Karaye auditionné à la gendarmerie. L'enquêteur de poser cette question « Cherche-t-on à étouffer l'affaire Ibou Karaye ?» L'enquêteur répond « Si l'on en croit Ibou Karaye des responsables et non des moines de la présidence de la République et du ministère des Finances seraient impliqués dans cette affaire ». Le rapport d'enquête de l'IGE ferait-elle état de signature authentique alors que celui de la police scientifique parlerait de signature imitée? Dans certains milieux, la perspective d'un procès est vécue avec hantise. Ensuite, en ce qui concerne le sport, le journal Le Hérisson écrit dans sa publication du 7 avril « Coup dur pour le football nigérien ». Selon Le Hérisson, la Confédération africaine de football a notifié le 5 avril 2022 à la Fédération nigérienne de football que le stade général Seine Kounthié n'est plus habilité à abriter des matchs internationaux senior A, au motif qu'il ne remplit pas les normes FIFA. Ici s'achève cette revue de presse dans l'espoir de vous retrouver la semaine prochaine.